Salut Fabien Salut et Gab. bienvenue pour cette nouvelle vidéo Fabien. Donc aujourd'hui on va tenter un tournoi de trois échecs. Ouais. Donc, nouvelle variante. Enfin, nouvelle variante. Ça existe depuis un moment. Mais le but, c'est de faire 3 fois échec et c'est gagné. Ouais, alors attends, on va mieux cadrer l'échiquier. Ah non, alors attends, on a écrit les échecs à gauche, la première fois que je joue à ça sur chess.com. Donc on va refaire une petite capture d'écran. On va un petit peu agrandir tout ça. Que les gens voient bien La colonne de la la tour aussi. colonne H, ouais. Du coup, désolé pour ce petit début, mais comme vous voyez, c'est notre première fois. Comme de la tour, voilà, qui est bien. C'est Donc parti, on est bien t'as parti. déjà pris 30 secondes. Bon, alors, Hop. je mets le caillou en C6. Ok. Ce qu'il faut surtout pas faire là-dedans, c'est de se prendre un fou B5 échec. Ouais, pour gratuit pour rien. Ouais. Du coup, là, je pense D4, grosse erreur. E5 direct. Boum, un Ouais. Tu files échec. une pièce? Ah oui, mais pour un échec, je file une pièce. Parce que Ouais. un échec, il couvre deux échecs. On fout C5 et fou prend F2. Ah non, beaucoup plus fort. Et dame H4. Mat imparable. C'est complètement fini. Après dame H4. Mais As-Dame prend F2. Ou dame prend Ou E4. dame prend E4. Donc voilà notre première partie de trois échecs. Non, j'ai déjà joué dans ma vie deux, Ouais, trois parties. J'ai regardé la mais sur chess.com la première fois et j'ai un peu regardé la théorie du jeu. Et là, en fait, c'est mat imparable. Donc, puisqu'on a déjà fait deux échecs, et là le troisième échec arrive, donc soit dame prend F2, soit dame prend E4. Ça peut faire un premier tuto en fait, hein, ouais. tutoriel comment Comment ne, gagner? ouais, comment gagner facilement. Donc là, on jouait contre Tatobel qui nous vient d'Afrique du Sud, et qui est en PLS. Là, sur le bord du terrain, il va falloir le remplacer. Impressionné quand même par mes capacités en échecs, trois échecs. Bah, t'en peux plus là, tu te dis fantastique, je vais faire fou C5, c'est. Bah, ça a l'air pas mal aussi Ouais, d'ailleurs. fou C5, fou E3. Bah, je prends. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on. Bah, on prend. Alors, j'ai envie d'être taquin. Non, pas de taquinerie. Si, allez, s'il te plaît. Bon, bah, ça taquine. Mais d'un pro 4, tu gagnes quoi. Ouais, mais qu'il y ait des 4. Vas recréer une menace quoi. Genre, créer une menace. Non, mais parce qu'en fait, c'est un tournoi, donc si on gagne immédiatement, de toute façon, il va falloir attendre pour la prochaine partie. Mais là, on va arrêter d'être taquin. Et on va faire maths. Voilà. Enfin, échec. Non, mais c'est parce que voilà, c'est un tournoi, il y a 36 joueurs. Donc bon, de toute façon, là, il va falloir attendre 2 petites minutes pour montrer un peu nos capacités dans ce jeu. Tu vois, cahier des 4. Donc, chose à retenir, si vous n'avez jamais joué aux 3 échecs, donc ne surtout jamais Pas de permettre. scandinave quoi. Non, oui, surtout pas, parce que si on te fait fou B4, c'est 2 échecs en fait. Donc après, Plus qu'un, ouais. j'ai même eu jouer des positions avec une dame de plus. Si le mec a 2 échecs et qu'il lui en reste un troisième, c'est très difficile à jouer. Donc, surtout ne pas bouger le pion dé dans l'ouverture. Du coup, en fait, c'était un peu l'idée de cavalier C6. C'était éventuellement peut-être de faire. Bon, de La voir ce qui se passe. Scandinave. Tu peux pas trop parce qu'en fait, on peut un peu regarder, mais si tu fais cavalier F3, le problème c'est que sur D5, il y a fou B5 très fort. Ouais. Fou D7, tu perds un pion. Ouais. Et puis en plus, tu prends un échec. Mais en fait, le problème c'est que fou D7. Le mieux c'est probablement de jouer ça en fait. Catastrophique, quoi. Bah, une pièce de moins. Mais le problème, c'est que tu peux pas te permettre de donner juste un échec. Enfin. Du coup, bon, ma belle partie, hein. On est là, K C6, tapis. Intéressant, peut-être fou C4. Menace ou prend cet échec. Ensuite, dame H5 et Ouais. bah E6. Du coup, E6. Solide. Mais du coup, E6, est-ce que tu veux vraiment jouer D5? Après, tu pourras peut-être faire Ouais, fou D7, ouais. ça. On verra. Ouais, mais bon, il va falloir faire attention, Fabien. Mais du coup, sur E4-E5, je pense que si le mec nous fait E4-E5 dans la prochaine, en imaginant, je pense qu'on fait direct fou C4 en fait. Quel F6, non? KF6 forcé, je pense. Et Non, on a plusieurs options. On peut peut-être faire Quel cavalier F1? F3, Ouais. menace fou prend F7 et cavalier G5. Ou qu'elle prend 5. Ouais, mais ça, c'est des faux échecs, ça. Mais des fois, tu joues un peu aux échecs aussi. Non, là, non. Mais non, je sais pas, cavalier C6, c'est fou prend F7. Ouais, bah, je veux dire, tu défends le pion. Mais du coup, je pense que peut-être dame E7, si bon coup. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Protège. Mais peut-être que c'est 6 ça. Hein. Tu joues avec 2 échecs en moins, mais t'as une pièce de plus. Et après, tu joues aux échecs un peu. Non, mais c'est dingue. C'est hyper difficile à jouer ça. Ok, C3 déjà, menace mat. Oui, D5. Ouais, mais Ouais, bon. dame B3 quand même. Ouais. Ouais, t'as Eh dame oui, bah, je B3. menace d'un prendre Ouais, bah D5. oui, je vois. Mat. Bah, du coup, t'es très très mal.
Du coup, t'es très très mal. Non, et du coup, on attend la prochaine partie, hein, les trois échecs. Nous, on en a fait trois. Il y en a qui sont un peu plus lents pour faire trois échecs. Il reste que Ouais, deux parties il dans le reste que deux tournoi. Hein. parties. Hein. De toute façon, si ça dure un peu longtemps entre les parties, je ferai un Tu coupes? coupage, ouais, je coupe. Oh. On verra, mais là pour l'instant on compte pas, on est tranquille, mais on coupera au cas où. On compte bien gagner le tournoi. Hein. Mais si on tombe contre des spécialistes, tu vois qu'on peut, on peut vraiment se faire. Se faire arracher. Parce qu'il y a d'autres variantes sympas, quoi. On pensait jouer au roi de la montagne, King of the Hill. Le but c'est de monter le roi en E5, D5, D4 ou E4. Pour gagner la partie, tout Ouais, simplement. sans se faire mater avant. Parce que mat quand même tu perds, non? Oui, tu perds. Tu perds. Enfin, tu peux gagner par deux moyens en fait. Soit le mat, soit Soit le. monter du roi. En fait, comme le 3 échecs, tu peux très bien faire. Ton premier échec peut très bien être un mat en fait, d'ailleurs. L'échec et mat gagne. Échec et mat gagne, évidemment. Donc, tu as deux solutions pour gagner en fait, dans un peu toutes les variantes en réalité. Alors, ZR79. Enfin, on va tester notre stratégie où on a discuté avant match. Non. E4. Bouh, mon menace. J'ai enlevé le pré-move. Du coup, je pré-move E4. Ah, voilà un vrai joueur. Bon, du coup, j'ai envie de faire KF3. D4, évidemment, était une grosse erreur. Hein. B6. Ah, Méthode Ruiz. méthode ruse. Du coup, comment jouer? KC3 c'est bête. Il est D4, tu fous B4, fous D2. Je sais Ouais, pas. fou K fou D2, il va encaisser E4. Oui, non, mais ok. Est-ce qu'on peut tenter. Bon, fais ce que tu veux, en même temps c'est ta partie. Bah, je suis en train de réfléchir, c'est très très intéressant comme position. Bon, mais dès que. Non, dégâts directs, c'est très mauvais. KC3 de toute façon. J'ai failli faire D4, c'était presque abandon. Peut-être fou D7, tu fais un fou D3. Bah, je me demande soit fou D3, soit D3 même, pour un peu blinder. Parce que D4, j'aime pas fou B4, fou D2 et on perd un pion. Ouais, pour rien. Mais peut-être t'as D5, j'en sais rien. Bouh. Bah, je vais faire fou D3. J'aime bien ce coup. On va faire avec B3, fou B2 et puis après peut-être E5, fou prend H7. On est quand même en difficulté, femme. Hein. Roquet, c'est débile. Bah, je sais pas, je pense qu'il faut roquer, mais il va prendre en F2, c'est sûr. Ah bon? Ouais. Bah, je sais pas. Bon, c'est pas bon, mais. Enfin, c'est sûr. Je comprends rien. Il veut peut-être faire KG4. Je m'occupe pas KF6. Dans le doute, j'ai envie de faire H3. Son Kaïn me paraît idiot. Mais j'aime pas me prendre deux échecs. Hein. Ça m'est déjà arrivé, je suis de perdre des Y'a pas parties ton avec PLS. quelqu'un. Ouais. Après, c'est hyper dur. Je suis prêt à en prendre un, mais pas deux. Mais du coup, tu vois, nous, peut-être E5, faut prendre H7, KG5 échecs. Donner deux pièces, tu vois. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon, bah, on va faire A3. Hein. Espèce de ruse. Ah mais si, pour faire B4, tu vois, et peut-être après Ouais, fou mais je B2. comprends. Ah mince, il menace échec. Ok, de toute façon, on ne peut pas tolérer cette prise. Mais je vais profiter pour faire roi H1. Je voulais le jouer tout à l'heure. Comme ça, du coup, Prophylaxie. prophylaxie, ouais. Et échanger Calais 2, c'était con. Non, c'était jouable. Mais bon, c'est prophylaxie. C'est pour éviter un échec, si tu veux. Enfin, je sais pas, hein, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Ok, on va prendre. Ah, du coup. Bon. Je vais faire fou B5. Menace, fou prend D7, dame prend F7. Ou dame Ou dame D3 D3 plus et. fort. Ouais, plus fort. Ah, Mais du sur coup. grand roi, peut-être dame E2, quoi. Il faut A6, t'échanges son truc. Peut-être D4. Ouais, tu gagnes une pièce. Ouais. Tu joues vrai échec là pour le coup. Bah là oui, enfin quand même, le mec a une pièce, enfin, je prends. Mais c'est pas fini, hein, parce qu'à ce jeu-là, enfin, il peut y avoir des remontadas. Hein. Mais du coup, si on peut faire Dame D3 fou A6, ça va être très très fort. Roque opposé à ce jeu, c'est très dangereux. Ok, on va prendre la pièce. Si on part 3 avec la dame, il va faire KJ4. Peut-être dans le 2. Ça me paraît logique, on va faire fou A6, c'est l'idée dont on parle. Non, si VF5, surtout on ne touche pas. Hein. Non. Ouais, déjà, il y aurait mat aux échecs normaux. Mais on a vraiment besoin de ce pion. Ah, voilà, fou A6. Voilà, du coup, sur fou prend A6, c'est fini. Hein. Dame prend A6, dame Il prend B5 et on la donne et on la donne n'importe où. quelque part. Ouais.
Ok, bah là du coup un échec, il va être obligé de faire roi B8. Alors, il peut mettre un échec, deux échecs. Ouais, fois 6, ça a l'air très fort. Ouais, j'ai envie de jouer le beau jeu. Tu sais ce que c'est le beau jeu, Fab, ici? Je suis en train de calculer, mais le beau jeu ici, c'est dame B5. Bah, je suis désolé, mais on joue le beau jeu. Il va te faire qu'il prend F2, toi Tu prends. reprends, dame prend Ouais, H3, tu puis prends, on puis on prend, prend, et et. un peu court. Et un peu short. Dame B5, c'est le beau jeu. Du coup, s'il fait A6, on fait fou prend et on mate. S'il fait C6, on fait fou prend et on mate. Si on Et fait C6, on bah, fait même peut-être si même c'est fou fou F4. F4. Fou F4, ouais. D6 et on rebouge le fou. Bah, déjà mis un échec, hein, c'est ça le truc en plus. Non, allez, il a sûrement perdu. Boum. Zer 79. Bon, il fait un échec, ça c'était prévu. Je pré-move, hein. Il doit dire je suis un échec prêt. Mais bon, du coup, son idée de faire E6, B6, c'est pas bête, on va pouvoir l'utiliser. Une ruse. Ouais, une ruse. Je pense à ruse, très bonne ouverture. On monte en classement. J'ai peut-être déjà joué, je sais pas. De faire Je m'en très rappelle très pas. expert quoi. Ouais. Ouais, en fait, je me rappelle pas du tout avoir joué, mais apparemment, j'ai déjà joué. Ouais. Visiblement, je connais des trucs. C'est vraiment plus. Sans rappeler. Allez, Oleg. Alors, allez, vas-y, joue D4. Vas-y, viens. D4, peut-être E5, hein, direct. Boum. Ouais, de toute façon, s'il fait pion prend, c'est fini. E4. E6. Alors, du coup, D4, grosse erreur. Bon, enfin, on fait notre ruse. Non, fait ruse. B6. Du coup, on te fait fou B7. S'il fait D4, on a déjà fou prend E4. Ah! Un agressif. Il veut venir mettre un échec. Bah, qu'il le fasse. Bon, on va faire fou C5 alors. Parce qu'il peut pas faire D4. Enfin, il peut, mais bon. Non, mais bon, ok, il prend. Allez, il peut pas faire D4. Ouais, là, des quatre très mauvais. Et du coup, C'était on a pénible de sous faire. prend F2, dame C5. Ouais. Ou dame F4. Oui, enfin, excuse-moi, je cache les KF3. Du coup, fou C5, très bien joué. Du coup, il est peut-être obligé de faire dame F2. Dame E2. Je crois qu'il s'est un peu emporté. Ah, il défend. Tiens, mais il a filé une pièce quand même. Je sais pas, quel est KF6, F6, ouais. ouais. Bah, on a ce qu'il prend E4 quand même. Fou B7, machin, des coups normaux quoi. Fois 6. Non, je sais pas, j'ai bien envie de faire jusqu'à IC6 en Vas-y, fait. mais joue normal. Hein. Enfin, qu'à IC6. Parce qu'en fait, sur Roque, il y a Dame prend H2, Roi prend, Cavalier G4. Ah, Cavalier G4 marchait pas encore. Mais quand même, on va venir ici. Et en fait, on peut déjà lui en faire 1 et 2. En fait, on n'est pas loin déjà Du chaos. du chaos, ouais. Du coup, je pense que si on ramène encore un caval là, Ok, il va faire pousser 2 D4, non? il va faire fou C2 D4. Donc peut-être qu'on donne ça ici. Je sais pas, on va réfléchir. Scan peut peut-être faire. Ah, j'ai envie de le sacrifier ce fou quand même, enfin, pour mettre un échec déjà. Est-ce qu'on peut faire Regarde comme 1, tu veux, 2, là. Je sais 3? pas, j'aurais fait un truc beaucoup plus terre à terre, moi, mais. Non, mais regarde, on peut faire fou prend F2. Il fait cavale prend, on fait cavalier D3 échec. Il prend. Il peut pas prendre du cavale Non, il est dame et G3. après on fait dame C5. Et on le met en PLS. Et on met en PLS, ouais. Du coup, je pense, ouais, fou prend F2, cavalier prend Ouais. F2, cavalier D3. Ouais, c'est Bouh, pas mal. mais dame C5, tu dégages. Du coup, il est possible qu'il soit juste perdant ici. Et sur fou E2, je pense que c'est juste qu'il prend E4, on réfléchit même pas. Enfin, ok, on pourrait peut-être faire mieux, mais. Enfin, on peut peut-être faire la même en fait. Bon, on fait la même, allez. Bon, allez, on fait la même, allez, ça m'a fatigué. On joue à tempo, fou prend. Boum. Ok, là, le problème, c'est que donc, s'il fait cavalier prend pour vous montrer un dame G3 mat, enfin. Et s'il fait fou prend, en fait, l'idée c'était de faire. On va faire dame F4 probablement. Ouais, deux menaces. Et menace. Menace double. Double attaque. Là encore. Boum, Oleg de 412. Non, mais on est monstrueux en fait. Ah, cette tactique, t'as vu que je suis allé la chercher quand même. Hein Non, ah, tu l'avais pas vu toi au début, celle-là. Qui non. avait des 3 dans la saison. Tu m'as l'air dépassé par ce jeu. Bah, je sais pas, j'essaierai quand même. Ah, tu peux pas l'air d'être au niveau.
Tu m'as l'air de très perplexe devant cette menace de maths imparable. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, mais là. De la tactique. Ah, c'est tactique là. Il n'y a pas du tout de stratégie là. Non. On fait des échecs, quoi. Bah, t'en fais 3. Jeu de mazette, triple mazette. Bouh. Je jure qu'il est très étonnant parce qu'il était très sûr de lui quand il a pris en C7, C'est n'importe mais quoi, je c'est suis sûr. n'importe quoi. Super mauvais. Non, il faut faire 2 échecs dans ces cas-là, pas un 2. Bon, bah écoute. Belle victoire! C'est bien, les parties ne durent moins de 10 coups, quoi. Ouais, et on est grand leader du tournoi là. 3 sur 3, mais faut faire gaffe, il y a d'autres mecs à 3. Ah, ils vont être de plus en plus forts de toute façon. C'est un peu comme quand tu joues un jeu vidéo, la force. Il y a le boss qui arrive à la fin, quoi. Le boss qui arrive à la fin. Alors regarde, il y a Fabien 1956 dans le tournoi. Donc, vous pouvez pas le voir à l'écran, mais il y a un Fabien. Ah, Oleg, il est quand même pas mal classé, hein, 1817. On est quand même tête de série numéro 1 du jeu. Le mec doit être impressionné par notre elo, il doit se dire. Tape fort. Ça Roland Garros, là, ça me fait penser au Stapenko, ça. Ça essaye de toucher les lignes à tous les coups. Du coup, il ne reste plus que 3 parties, ça a vite avancé. Mais tu vois, ouais, je pense que c'est vraiment n'importe quoi, hein, pour en revenir un peu dessus. Ok, je pense que tu peux donner peut-être en F7 le fou généralement, parce qu'il y a le roi qui sort quand même. Tu es un peu à poil, ouais. Mais là, Mais là. personne n'est à poil. Tout le monde est habillé, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que quand il a pris, en fait, quand on fait fou C5, il prend, en fait, le problème, c'est qu'on peut juste nous redonner la pièce, enfin rendre le matériel Ouais, au puis pire. mettre, quoi. Puis, oui. Mais en fait, il est déjà obligé de jouer un peu comme ça, et puis qu'il y a F6, enfin, c'est horrible. Ouais, non, il a aucune compensation pour la pièce sacrifiée. Non, le problème, c'est qu'on peut sacrifier une pièce aussi, mais dans de meilleures conditions que lui, donc. Bon allez, ça joue encore. Reste toujours trois parties. Mais je pense qu'il y a très peu de nuls à ce jeu, parce qu'il n'y a même pas d'échec perpétuel. Ben non. Je sais pas comment tu peux faire Ça nul à y est, ce jeu. on peut démolir la nulle enfin, quoi. Ah bah là oui, là il n'y a plus de nuls. Tu échanges tout, il y a croix contre roi. Sans avoir fait d'échec au passage. Arsenal or baisse, bon, il y a quelques mecs. On va voir, hein. Allez, allez, allez. On se dépêche. Peut aller voir leur partie. Bon, on va aller voir ce qu'ils font. Là, du coup, on arrive, c'est fini. Ouais, il y a eu 3 échecs. La partie a duré combien de coups d'ailleurs? 25 coups, ouais, c'est parti très très rapide à chaque fois. Ça peut pas faire. Tu peux pas faire long feu. Pas de partie de 150 coups, quoi. Ah, du coup, il fait E3. E6 qui est F3, il est plus solide. Boum. Ah, c'est du grand jeu, quoi. Ah. Boum. Ok, c'était une boucherie. Il essaye de pas se le prendre, son échec. Hein. Ouais. Ok, bon, allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Bon, nous on fait E4. Hein. Mais bon, la partie m'a pas trop impressionné. Le jeu Non. avant. Je me dis, ça devrait aller. Si on fait pas n'importe quoi. T'as recommence, quoi, les Bon, mecs. on refait KC 3. On n'avait pas fait, on a fait KF3, celle d'avant. Ok. On prend le centre ou pas? Ou c'est débile? Bon, je pense qu'on attend un peu. On joue de la sécurité. Bon, ok, faut quand même pas abuser. Non, mais bon. Ok, fou B4, fou D2. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ok, fou E2. Hein. Et roque. Bon, du coup, ça nous permet sur fou B4 d'avoir roque en fait. Et peut-être qu'on peut enfermer la dame aussi un jour, hein, c'est comme ça, avec des fous G5 et tout. Donc, Bah Rock. allez, donne ta dame. Hein. Malgré s'il veut venir, il vient. Hein, enfin. On te la prend, quoi. Alors. J'ai peut-être envie de faire D5. Attends, mais. Kalh4, ça n'enferme pas le truc? Bon, j'ai envie de faire D5, Mais tranquille. Kalh4, il allait où? Bah, il allait peut-être nulle part. Pas grave. Je joue pour les échecs. Oui, une dame, c'est une dame, quoi. Non, mais j'étais pas dans l'esprit du jeu là. Bah attends, je vous fais une dame, quoi. Voilà, hop. Un peu pareil.
peu dans le même esprit. Non, mais dessin, en fait, je sais pas. Je dis, il va bouger le cavalier, puis on va attaquer. Je vais même pas regarder si ça va être attaqué. Je me dis, ça me paraît assez. Non, mais ok, ridicule, mais après trois coups, je voyais la dame là. ouais, Je me disais, ok, ouais pas moi de problème. je suis plus sur les échecs. Mais là, je vais faire dame prend G2, il va nous mettre un échec. Ok, mais bon, une dame, c'est énorme. Il s'est fait prémouiller la gueule. Ok, il va vouloir te faire du D6 fois H3 à un moment. Non, mais ça faut surtout pas prendre. Ouais, active la tour. Active la tour. Bon, du coup, j'ai bien envie de prendre ici une fois. Mais ça sera toujours dû lui mettre Attends, un attends! échec. Oh putain. Non, s'il va te faire du Kali H4 quand Ouais, mais on va chat. même. Oui, ok, il en a sera 2. Kali F4. Pourquoi F4? Il pouvait faire la même chose avec une pièce de plus. Bon, faut juste plus prendre d'échecs, quoi. Non, mais ça met un peu de piment. Non, mais. Enfin, c'est archi gagnant, je pense, la position. Genre, même pion prend des francs et B5, peut-être, un truc comme ça. Mais des prends, je vais faire fou B5 en fait. Très bien aussi. Franc, bon. Non, bah un échec. Il va bouger le roi à deux échecs. Et dame. Et dame, mat. Il va te faire G6 peut-être, mais ce sera deux échecs, il faudra faire gaffe tour prend H2. Ouais, on aura dame prend D7. De toute façon, on fait fou prend G6, dame prend D7. Du coup, c'est fini. Bon, 2-1 pour l'instant. On va se faire pré-mouver. Boum! Boum! Ouais. Ouais, je comprends pas trop ce qu'ils font avec leur dame en fait. Ah, mais peut-être qu'il joue très mal. Bah là, quand même, c'est moi qui étais complètement ridicule en fait. Cavalier H4, c'était. Moi, je pensais que ça gagnait complètement aussi parce qu'il y avait exactement les Oui. mêmes problèmes en fait. Mais bon. Mais au moins il n'y a pas un fou F4 quoi, puis t'as une pièce en plus, je sais pas. Bah oui, tu peux. Une chose qui peut être pénible, c'est genre si à un moment donné il peut te faire cavalier E4 et pff, mat. Ouais. Peux plus bouger. C'est Du coup, ça peut être un peu dangereux. Mais bon, là, ça va, on était bien. On va savoir comment nos adversaires jouent. Niveau jeu, on a pas l'air exceptionnel dans ce tournoi, Fab. Il veut faire tour G8, tour G1. Et... Ah, mais il n'y a pas de deuxième tour, pardon. Là, tour G8 gagne, je sais pas Allez, tour combien G8 gagne, il. il a un échec déjà. Ah, il a déjà un échec. Il menace du coup, ouais, tu vois, un échec. Ouais. Il menace du Ah, coup ça tour c'est 3 G8 là. et fou H7. Mais ça a l'air imparable. Enfin, Kali E7 peut-être. Ouais. Kali fou H6. Ah, j'aurais tenté qu'il y ait G5 perso. Mais là, ce qu'il y a F7 mat, réel. Ouais, il a fait. Et sur pion prend fou Ouais. G5. Très bien. Mais fou H6, je pense que c'était bien Non, ça. il gagne aussi probablement. Bah, il m'a fou G7 Moins et oui, esthétique. moins esthétique. Qu'il y ait G5, c'est plus. Bah, c'est un vrai mat en fait, du coup. Mais j'espère que ça vous donne envie d'essayer la vente vous-même, parce que c'est sympa, ça change un petit peu et. Non, mais c'est pas mal pour le calcul, je pense. Ça vous fait calculer des variantes. Ok, donc ça n'a rien à voir niveau évaluation et tout ça, mais pour travailler le calcul, les variantes, les lignes forcées, les trucs comme ça, pourquoi pas, quoi. Bah là, on travaille complètement là. On est en train de bosser là. Là, j'ai le calcul qui. Tu sens progresser quoi. Ah, je me sens progresser. En Tu pimpes pas fait, je progresse à Clash Royale en faisant ça en fait. bien. Ouais, parce que 3 échecs, 3 tours. Ouais. Et du coup, c'est toujours à jouer les 3 tours roque opposé et tout ça. Non, mais bah, du coup, fou E5 et tout. Et à 2. J'ai l'impression que les mecs n'abandonnent pas à ce jeu. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils se prennent deux échecs, mais c'est pas comme. Enfin, là, tu vois qu'il y a mat en deux en fait. Ouais. Mais les mecs, non. Là, ça joue jusqu'au bout, celui-là. Ah. Ah. Fou H7. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ah non, ça va reprendre Non, bientôt ça normalement. reprend bientôt. Ouais. Bon, on a 4 sur 4 et on va jouer contre Niru faible. Il m'a l'air pas mal, hein. On refait la ruse. Ouais, il m'a l'air dangereux, lui. On va voir. Bah, c'est lui qui vient de se retrouver Oui, avec Kali E5 et tout, j'ai. hein. Ah, bah. On lui refait E6. Ouais. Boum, la Tu ruse. remarques qu'il joue comme nous, d'ailleurs. Ouais. Ok, bon. S'il fait D4, toujours c'était de faire fou B4, hein. Oui. Pour. Ah, du coup, on est solide. Est-ce qu'on fait une vraie ruse Mais jusqu'au non, il fait bout? fou les 5 échecs. Non, genre pas G6, KE7, fou G7, Ouais, je sais pas si machin. tu veux, peut-être c'est débile à ce jeu, mais pourquoi pas. Bon, mais je sais pas, on est plus dans l'esprit de la On ruse, du coup, l'attente. on la tente. Non, en D6, surtout pas. Oui. Mais du coup, on tente la ruse. Non, ok, on s'en fiche. Quoi qu'il fasse, ruse. Attends, il veut faire KB 5, des merdes. Enfin, je sais pas si c'est grave, mais peut-être A6, c'est pas bête. Ouais, c'est son premier, allez. T'as raison, parce qu'il y a E7, ouais, si on faisait D6, après qu'il allait prendre D6, c'est machin.
Je suis pas sûr que ce soit folichon, folichon, la ruise, mais bon. Non, bah alors j'ai eu pas mal défendu, quoi. Ah, il va faire fou H6. Ok, dame H6, c'est un sacrifice de dame, on s'en fiche. Ouais, on fait H6 à la ruise. Enfin, H6 à la ruise, hein. Pas sûr. Moi, je sais pas. Allez, H6 à la ruise. On est ruise. Ah, on n'est pas très bien quand même. Non, j'aime pas trop la ruise à ce jeu. Bon, j'ai envie de faire B5. Hein. Vas-y. De toute Bon, j'ai aucune idée, mais. façon, faut jouer, hein. C'est du blitz, hein, on va être 3 minutes. Bon, bah là, du coup, Ouais. un peu forcé. Si on réussit à faire grand roque, peut-être. Bon, ok, c'est 6, non? Ouais. Ah mince, il Parce peut qu'il plus, prend il des peut prendre 7. un D7, ouais. Et ça fera 1, 2, 3. Ouais, il perd beaucoup d'échecs quand même. Peut-être B4. Allez, dégage. On peut pas se laisser sacrifier, parce que si on Non, non, repart mais avec je le roi, on sais. reprend un autre échec. Boum. Je comprends pas ça. Allez, il va faire fois H5. Ok, on va roquer, on s'en fout. Ouais, on prend. Je pense qu'on rock, hein. Ouais, ou dame F6, putain, comme je sais pas. Il y aura deux échecs. Non, j'ai pas envie de prendre un échec. Bon, ok, dans ces cas-là, on prend ça quand même. Bon, là, on s'en fiche, je prends un échec, on protège. Et après, j'ai bien envie de faire dame H4 en fait. Bon, on se prend un Bon, ok, échec, ok. bon, c'est pas grave. J'ai envie de faire dame H4 maintenant. Vas-y. Peut-être fou prend E4 et tu retraites sur la bonne diagonale. Bah, c'est encore une pièce, ça. Il va faire un deuxième échec, mais ça va, t'auras 3 pièces de plus. Hein. Ben non, il va faire 3 échecs, parce que tu Ah pourras pas couvrir. putain, je suis con. Ok, fou E4 alors. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. Du coup, sur G3, j'avais une idée. Bon, bah du coup, dame G5, hein. Ouais, il va faire F4. Non, c'est bien. Putain. Je comprends pas en fait. Non. Ok, là je prends les pions. Bah, dans F5, peut-être. Ouais, mais faut pas se prendre tour A, je crois quand même. Hein. Je vais quand même cacher le roi quelque part. On a plus beaucoup de temps et on a toujours pas mis un seul Non mais échec. c'est pas grave, on a 2 pièces de plus. Ouais, mais bon. Facile à dire, 2 pièces de plus. Mais lui, il a un échec en plus. Ok, roi G6, tu vois, je sais pas. T'es caché quoi. Non, je vais mettre la tour en F7. Ah! J'ai C'est pas mal lâché grave, le non? roi. Non, j'aime pas ne pas jouer un coup que j'ai. Enfin, jouer un coup que j'avais pas envie de jouer. T'es très solide là. Bah oui, là on est solide. Tour F7, il y a C6, Avec machin. tour F7, je vais la fou F8 après. Qu'est-ce que c'est que Moi cette je suis en lumière? tour F7. C'est vrai que si on n'a pas beaucoup de temps et je suis pas serein. Je vais Ok, faire Kc C6. Boum. les talents de Bulette doivent ressortir ici et maintenant, quoi. Ah, c'est le moment le plus important de ma carrière, Dans ce peut-être. tournoi. Il va te mettre un deuxième échec. Merde. Bon, Ah oui, c'est pas mais ok, grave. c'est pas grave, parce que je vais lui en Ouais. mettre aussi. Mais okay, c'est-à-dire qu'un échec, c'est pas un échec, Il va te c'est faire tour bon. E4, peut-être. Ça sera intéressant. Il va faire tour G7, absolument. Je pense. Il menace tour G4. Ouais. Je suis en train de réfléchir à mettre un échec, mais. Ok, mais là c'est chaud du coup. C'est hyper compliqué. Ça dépend, si on fait tour B8, on sera à mettre 2 échecs nous aussi, peut-être. Maintenant, je sauve le fou. Faire très attention, tour G3 perdrait sur le champ. Ouais. Mais le roi en H7 va être très bien placé. Parce que la colonne H fermée. Allez, j'ai 3 adieux. Ouais. Et là, ça devrait Non, mais aller. là quand même, il y a 50 pièces de plus quoi. Ouais, mais faut faire gaffe. Bah, il y a qu'une tour quoi, on va le voir venir quoi. Fais attention quand même. Qu'est-ce que c'est? Bon, apparemment pas de menace. Ok, on s'en Ah, fout. mais ok, on liquide. Ok, je joue aux échecs normaux quoi. Ah, mais là, c'est Tu gardes fini. ton H7 et puis voilà. En fait, je vais faire des échecs. Bah oui, tu joues aux échecs normaux quoi. Non, mais c'est encore mieux que les échecs normaux. Ces échecs normaux ou. Ou il te reste plus qu'à faire des échecs, en fait. Ah, c'était chaud, hein, il aurait pu nous piéger, t'as vu?
Mais c'est ça va du misclic Roger 8 aussi. Ah, encore un bon. Arsenal, Arsenaleur. Mais non, Gunner quoi alors. Norvégien, c'est peut-être Magnus. Ah, il joue la théorie. Bah, du coup, B4. D4, ouais. Et fou B4, fou Fou des D2. deux. Ouais. C'est vraiment qu'on connaît, man. C'est vraiment qu'on connaît. Enfin, on se fait pas piéger dans la théorie comme ça. Là, du coup, on est très content en fait. A qu'un développe nos pièces, il fait roque 5. Et boum, Boum, H7. H7. Le Boum. double sacrifice de fou. Boum, tout ça qui nous fout sur le roi. C'est vraiment les bases du 3 check. Hein. C'est vraiment la base. Hein. Du coup, là, on est très très bien. Arsenal, leur best. Pourquoi? Roque, ouais. C'est-à-dire pourquoi qu'il est G4? Fou D6, allez, vas-y, prends-toi 2-5. La 5 boum. Après, le 4 KF6, échec quand même. Je donne une pièce, dégage. Non, mais là, il y a beaucoup de mal à se déplacer là. On va faire H3 au prochain, peut-être faire D5 après et tout ouvrir. On est bien là, Fab. Encore un mec qui veut perdre sa dame. E5. Hein. Ah, puis tu commences par fou G5 et tout, mais pas envie de calculer. Rentre chez toi. Dégage. Franchement, on est très très bon. Presque on a dû faire un petit K et B5. Bien, fait dame D8, il évite un peu, non? Ah, mais dame E7. Ouais, j'ai Il envie. provoque, quoi. Ok, peut-être faire roi ici encore. On écoute K et G5. Ou fou G5. Fou G5. Je sais pas. Fou G5, j'aime moins, j'ai pas envie d'ouvrir. Peut-être C3 en fait. Tu le sens. Non, C3, je pense. Sinon, je pense roi D8 forcé. Ou roi F8. Bouh. Non, mais ok, mais là, c'est double sacrifice. Boum. Ok, mais là. Ah! Mais Bon, KG5 ok, j'ai 5, mais quand enfin. même bien quoi. Ok, c'est juste que ça m'a tué, il m'a fou. Oui, t'as coupé dans ton élan. On prend quoi? On le fout sûrement. On est bouge G5. Est-ce qu'on est pour le beau jeu? Non, non, pas de bouge. Bah, je suis pour le beau jeu. Arrête avec ton. Des échecs ennuyeux là, deux échecs et. Attends, d'ailleurs, s'il prend le fou, il y a mat direct. Enfin, il y a Ouais. G5, tu vois, même échec. Et s'il prend le cavalier, dame prend. Et on menace G7 Et on forcé. a G7 et il Dame doit G5, jouer. ou fou G5. C'est pas clair encore. Bah oui, mais c'est pour ça que j'étais pas pour le beau jeu. On avait une victoire en poche. Ouais, mais c'est le beau jeu. Bon, de toute façon, il va tomber au pire. Non, mais arrête, genre le beau jeu, c'est le beau jeu. Enfin... Là, je crois qu'il est mat imparable, du coup. Dame prend. Je vois pas comment il défend G7. Il peut Il faire fait G6, G5, mais... ou ouais. quoi, mais bon. Mais bon, Ok, chez 5, fou ça ouvre G6. tout. Dame H3, après. On pourra le montrer après, mais c'était le beau jeu. Bon, du coup, on sent qu'on a un peu de marge quand même par rapport aux adversaires, donc on peut faire du beau jeu. Arsenal, leur best. Alors, qu'est-ce que c'est le beau jeu ici? KD6. Ouais, KD6, je pense que c'est le beau jeu. Sinon t'avais un autre beau jeu. Comme G6. Je pensais Dame G6, mais c'est moins le beau jeu. Donc KD6, c'est le beau jeu. Non, y a rien. Enfin, non, Non. c'est juste qu'il y a Dame prend H2, Roi prend H2, Fou fou F4, F4, Dame dame prend prend. F4. T'en prends F4, KF7 mat. Ouais. Bon bah ok. Voilà, ok. Ça suffit, on prend G7. Alors, ouais, fais voir cette variante dont tu parlais. Alors, attends, ouais, donc T'en ici, reprends. tour prend. Dame prend. Dame Dame G7. G5. Ah, Ouais, ça reprend Dame déjà. G5. Et je pense que ça, ouais, ça tenait. Allez, c'est la dernière. Déjà. Très bien. Très beau tournoi. Ouais. Bon, on tente une non-ruiz, quoi. Un D6, un E6, machin. Attends, qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, feu E6. Le mec veut faire KB E5? Non, n'importe quoi. Ah, le mec est solide d'entrée de jeu. Bah, allez, boum. Marre. La grobe! Boum, dégagez tous. Fou G7, hein, Fianchetto. Et H5, G4. Putain. Boum. 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 Bah ouais, c'est le beau jeu, Fab. Non.
prendre une fois. Et on va ramener la dame râle. Créatif. Plutôt bien joué. Peut-être faire roi F8. J'aime pas, mais bon. Non, roi F8 horrible. Peut-être qu'il y a E7? Ouais, je chante qu'il y a E7. Et cavalier H6 ou des coups comme ça. Non, c'est de la merde, Ouais, je joue KE7, ton ouais. truc. On va peut-être perdre ça là quand même. Hein. Pareil, quand même très mal parti. Ok, je vais faire cavalier ici. Et mes idées, c'est sur ça de tenir avec G6 qui est prend E5, tu vois. Voilà. Ah oui, là, putain. Ça, j'avais pas vu ça. Faut jouer Oula. D6, c'est un rejet avec deux échecs de retard, quoi. Ben, je vois pas quoi d'autre faire en fait. Ouais. C'est perdu ça. Ok, bon, ben, faut se battre. Donc, je joue avec deux échecs de retard. Donc pousser les pions comme un débile sur l'aile marche pas du tout à ce jeu. Comme à tous les jeux. Bon, c'est vrai que ça marche pas mal quand même. Puis on prend. Donc, ça on peut le faire. Ok, il faudra faire A6, Roi C7, j'imagine. Ah, le problème c'est que il m'a sacrifié B5. Oui, mais. Ah oui, mais putain. Ok, en fait, ce jeu serait très intéressant si la pièce qui donne échec prise ne donne pas échec. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, Roi C7. Ah merde, mais qui est machin. Roi C8, peut-être. Je pense Roi C8, ouais. Ouais. Moi je voulais jouer Roi C8, Roi C7 non. Mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, G6. On va essayer de faire qu'il y a E5 et puis du coup. Un de spécial, mais bon, on prie quoi. Ah oui, on peut faire un premier échec. Mais du coup c'est plus marrant. On est parti avec un handicap, du coup c'est parti plus drôle. Gros gros handicap. Ah faut plus prendre d'échecs là. Et du coup, il peut être aussi en PLS, qui se dit je suis gagnant. Là, il peut paniquer. Il dit, waouh, qu'il dit 3 et tout. Il panique pas du tout, le mec, il joue vite. Ok, mais il panique pas du tout, mais un échec, deux échecs. Attends, remove pas parce qu'il peut bouger juste le rang. Bah, j'ai envie de te dire, s'il prend. Ok, il bouge juste le roi. Il prend de B5, non? Il garde une pièce de plus. Non, parce que je veux mettre un Mais échec, prends ses deux. Ouais, 3. mais deux échecs. Oui, mais qu'il prend 3 x 4, c'était. Non, mais là, il y a mat après. x4, il a plus rien, il peut rien faire. Ah! Peut-être B3. Hein. Mais il faut prendre B3. Non, mais maintenant. Bah non, food. Et qu'il y ait Ouais, D3. elle est aussi fou. Mais c'est fini en fait. C'est fini, c'est mat. Non, il peut peut-être faire. Ah non, parce que sur Roi C1. T'as lieu 2? Au cavalier E2. Ah, Et qu'il il y est ait mat. B3 de l'autre côté, enfin, Il est ouais. mat. On est parti avec un handicap, mais remontada. Ouais, choisis où tu perds. E1, E2, Choisis ton poison. C1. Bon bah, propose nul quoi. Boum. C'était chaud. Ah ouais, là. C'était chaud. Mais grâce à la petite combine, c'était sympa. Bon, il était forcément complètement gagnant avec deux échecs d'avance, hein, cette finale. Mais bon, tu vois, ça peut vite tourner. Alors E2. Une petite découverte. Et ok, et qu'il prend B5 alors, ça perdait ou quoi? Enfin, juste pour Il était m'exercer à prend ce B5 jeu. et je pense tour C1, pénible. Ok, roi B8. Ah mais roi B8 fou E7. Qu'il prend C3 fois 4 finalement. Ah ouais, fini aussi. Mais bon, ici ça joue encore, je pense. Je sais pas si c'est une défense contre qu'il prend C3 fois 4, en fait, ça je veux dire, mais. Bon, ouais, peut-être juste. Juste B3. Ouais. Peut-être cette Et qu'il y ait défendait. D3. Ouais, Ok, mais ça joue donc ça plus, ouais, joue je suis plus, d'accord. ouais. Ouais. Bon, ouais, on a gagné ce tournoi, Fab, avec un petit. Avec un petit 7 sur 7. Très Tranquille. bien, on va gagner un trophée et tout. On va Ouais. voir la coupe. Où elle est là? Ouais, médaille d'or. Bon, ça t'a plu ou pas alors? Bilan, on en refera ou pas? Bilan, bah ça va, après on demandera à vous si ça vous a plu, on pourra tenter d'autres variantes. On tendra peut-être un King of the Hill, le roi de la Ouais. colline avec le roi au centre. Je préfère le roi au centre que le 3 d'échecs peut-être, parce que ça ressemble plus aux échecs au début et c'est plus à la fin que tu Ça essaies de court au monter, ouais. centre. Ouais. Mais bon, du coup, c'était sympa, ça change un petit peu. Et on Et aimerait bien puis. avoir la dame cachée aussi. Faudra demander de programmer ça quand même. La dame cachée, on en parlera. Si vous êtes intéressé pour connaître les règles de la dame cachée, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et nous dire si ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt! Ciao!